Bienvenue dans cette leçon du bâton Kaiyuan du Taiji. Je m'appelle Heike, je suis allemande. J'étudie le bâton du Taiji en Chine. Mon nom est Samuel. Je suis français. J'étudie le Wushu en Chine. Je suis très heureux d'apprendre le bâton court du Taiji avec vous. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Je suis Rang Ranghui. Lors de la leçon précédente, nous avons vu les techniques de base du bâton. Aujourd'hui, nous allons voir les positions avec le bâton. Mais avant cela, je vous propose de réviser la leçon précédente. Le relevé de bâton. Frapper vers le bas. Blocage haut. Balayage. Blocage latéral. Fouetté vertical. Pointé. Percé. Appuyé. Coup latéral. Chers amis, commençons maintenant la leçon. Avancez et frappez vers le bas. La main droite tient le bâton, saisie direct des deux mains. La main gauche glisse vers l'extrémité à gauche et la main droite suit. L'autre extrémité décrit un arc de cercle vers le bas, puis le haut sur le côté pour se retrouver au-dessus de la tête. Avancez le pied gauche et frappez vers le bas. Faites glisser la main droite vers l'extrémité à droite. La main gauche suit. Avancez le pied droit, puis levez le bâton au-dessus de la tête. Frappez vers le bas. Encore une fois. Faisons la technique ensemble. Encore une fois. Reculez et frappez vers le haut. Pieds joints, position fixe. La main droite tient le bâton, saisie direct des deux mains. La main gauche glisse vers l'extrémité gauche. Dans le même temps, levez le pied droit et reculez. Frappez vers le haut. La main droite glisse vers l'extrémité droite du bâton. Reculez la jambe gauche et frappez vers le haut. Encore une fois. Refaisons la technique une nouvelle fois.
avancer et frapper des deux mains vers le haut. Pied joint en position fixe. La main droite tient le bâton. Levez le pied gauche et avancez. Brandissez le bâton devant la poitrine. La main gauche recouvre la main droite. Le bâton décrit un arc de cercle vers l'avant pour frapper vers le haut. Continuez le même mouvement sur le côté gauche. Bien, une nouvelle fois. 4, 5, avancez. 6, 7, 8, revenez. Revoyons la technique une nouvelle fois. Avancez et fouettez en alternance vers le haut. Pieds joints, position fixe, la main droite tient le bâton. Levez le pied gauche et avancez. Brandissez le bâton, fléchissez le coude. La main gauche saisit le bâton sous l'aisselle droite. Relâchez la main droite, puis effectuez un fouetté vers le haut. Saisissez maintenant le bâton de la main droite sous l'aisselle gauche. Levez le pied droit et avancez. Avancez le pied gauche, saisissez le bâton avec la main gauche, fouettez vers le haut. Encore une fois. Revoyons cette technique encore une fois. Avancez et frappez en alternance vers le bas. Pieds joints en position fixe, la main droite tient le bâton. Saisie antagoniste du bâton. La main droite glisse vers l'extrémité du bâton. Avancez le pied droit, brandissez le bâton au-dessus de la tête et frappez vers le bas. Faites ensuite glisser la main gauche vers l'extrémité du bâton. Saisie antagoniste avec la main droite. Avancez et brandissez le bâton au-dessus de la tête. Frappe vers le bas. Bien, encore une fois. Travaillons cette technique ensemble.
rotation simple du bâton. Pieds joints, position fixe. La main droite tient le bâton, saisie directe des deux mains. Avancez le pied droit et mettez-vous de profil. Relâchez la prise à gauche, puis brandissez le bâton pour le laisser reposer sur le bras droit. Faites alors tourner le bâton vers l'intérieur, puis l'extérieur, puis vers l'intérieur. Bien, avancez. Brandissez le bâton, puis faites-le reposer sur le bras gauche. Faites-le tourner vers l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur. Bien, avancez. Encore une fois. Revoyons cette technique encore une fois. Rotation alternée des deux mains. Pieds joints, position fixe. La main droite tient le bâton. Avancez le pied droit. Brandissez le bâton devant la poitrine. Effectuez une saisie pincée du bâton avec la main gauche. La main gauche vers le bas. La main droite vers le haut. Le bâton passe sous l'aisselle droite. L'extrémité droite tourne alors vers l'intérieur pour effectuer une rotation vers le haut. Le bâton continue sa rotation vers l'extérieur et le haut avant de revenir sous l'aisselle droite. Répétez le même mouvement plusieurs fois. Bien, vous pouvez faire l'exercice en avançant. Bien. Revoyons cette technique une nouvelle fois. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez bien retenu toutes les techniques d'aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. À la prochaine fois. Au revoir.